partie, c'est un état. C'est-à-dire que oui, ça se peaufine, mais en vrai, ça ne s'apprend pas d'être artiste. Non. Il y a un moment, c'est soit tu as une émotion, un charisme, une voix un peu hors du commun qui fait que tout d'un coup, les gens s'accrochent à ce que tu es, à ce que tu proposes. Soit tu l'es pas, mais ce qui est important, c'est que un artiste, il est nourri de sa propre vie. Et que ne jamais courir après le succès, le tube, le truc du moment, ça, c'est le meilleur moyen et de se faire du mal et de s'essouffler. Et à un moment de se dire, mais attends, en fait, je fais ce métier pourquoi? Pour être numéro un au top album? Ou je fais ce métier parce qu'en fait, j'aime cette musique-là, j'aime ces rencontres-là. Voilà. Oui. Mais ce qu'il faut juste vous, c'est que, voilà, le côté populaire que vous allez avoir en sortant d'ici, que vous mettiez un peu en retrait et que vous alliez réfléchir à ce que vous voulez donner aux gens